Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série sur ce nouveau jeu qui est Limbo. Alors, je vous avoue, j'y ai jamais joué, j'ai beaucoup entendu parler. Comme quoi, c'est un jeu assez dark, hein, comme vous pouvez le voir, c'est plus ou moins. C'est totalement en noir et blanc en fait. Et voilà, notre petit personnage se réveille. Donc, ça va être, voilà, une série totalement posée, tout calme. Oh là là. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Je crois que j'ai jamais vu de let's play sur Limbo. Ok, donc une mécanisme de glissade. Ah! On peut mourir. D'accord. Ah! Voilà, donc c'est qu'il va falloir faire attention du coup. Youhou! Je me demande si on peut mourir de la chute. Donc des structures. D'accord, je peux tirer. C'est attaché, donc je peux pas aller plus loin. Ok. Je suppose que je m'accroche à la corde. Ouais. Non, raccroche-toi. Il est mort là. Il est mort. D'accord. Ah là là. Donc, je suis obligé d'appuyer sur B pour qu'il l'utilise. Donc là, on va être plus patient. Hein. Tout est. On peut lâcher, je pense. Ah, ici. Hop. Boum. C'est quoi, c'est de l'eau là? Ah, il sait pas nager. Oh là là, il est nul ce personnage! Bon, allez, troisième fois qu'on se retrouve ici. Allez, non, grimpe. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de montage sur Limbo. Tout. Putain, les vibrations de la manette. Hop. Et hop. Bon, du coup. Bichoule. Un petit bateau. D'accord. Du coup, essayons les autres touches. Donc, je peux sauter avec ça, avec Y. Je peux sauter avec A. Gâchette va rien. Le bateau avance tranquillement. Oula, fais pas le con, tu sais pas nager. Est-ce que c'est juste une corde ou c'est la voile? Non, c'est juste une corde, ça, ouais. On arrive au rivage. Boum, du coup. Il y a une poignée sur le bateau, je peux peut-être le tirer. Ouais. Ah, c'est cool, si c'est plein de petites énigmes comme ça va être génial. J'adore les énigmes. Comme ça sera le parfait successeur d'Undertale, un petit peu dark. Et avec des quelques énigmes de temps à autre. Ça doit piquer ça. Eh, loupé. Allez, oui. Attention, oui. Voilà, ça grince. Monte, ah, voilà. Tout. Alors, qu'avons-nous par là? Ta. Ça sert d'être un putain de piège à ours. Ouais. Je le déplace et je saute. Je saute. Voilà. Ouais, les gros pièges là, ça avait l'air violent. Oh, c'est un cadavre. C'est dégueulasse. Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain, j'ai sursauté là. Je m'attendais pas à... J'avais pas vu le piège. Fourbe. Est-ce que vous pensez que je dois mettre le cadavre dans le piège? Je pense qu'il y a que ça à faire. Hein. Ok. Ouais, ça y est, ça je peux remonter. Non, c'est cool la zing. Oh, par contre, putain, j'ai encore le cœur qui bat à mort. J'étais tellement calme, je m'attendais pas à me faire
Bon, un truc aussi violent comme ça. Du coup, j'ai peur des hautes herbes. Il y a quoi là? Je peux rentrer dedans? Il y a des cailloux. On sait jamais, tout peut nous tuer, j'ai l'impression là-dedans. Oh putain! Eh, te prends pas pour Indiana Jones, mec! C'est reposant quand même. Quand il n'y a pas beaucoup de son comme ça. J'espère qu'ils vont pas nous foutre des gros pièges à ours dans les hautes herbes là. Du coup, là il y a une corde, je pense qu'il faudra ramener quelque chose. Genre ça. Hop. Alors. Qu'est-ce que nous avons au bout de cette corde là-haut? Ah d'accord, donc faut que je me balance et que j'attrape la branche à droite, c'est ça? Ouais, tiens! Oh, yeah! Tiens! Wouhou! C'est un petit peu de parcours. Fait de mal à personne. Voilà, je peux taper ça. Voilà! Et ça va nous servir de bateau pour traverser le lac, là, c'est ça? Un truc, petit truc blanc qui brille là, c'est quoi? Oh. J'ai eu un succès, je sais pas si vous le voyez, l'ivresse des sommets. Est-ce que c'est dire qu'il y a des collectables? Oh mon dieu. Ouais. Non, il n'y a rien dans le menu. Tout. Allez, pousse. Pousse. Allez, encore. Allez, monte dessus maintenant, c'est bien. Hey. Parfait. Il n'y a pas l'air d'avoir de chargement, c'est plutôt cool. Bon, là, il y a un gros piège à ours. What the... Non, 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 mais pourquoi faut que ça soit une araignée? Hein? Je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis limite arachnophobe. Non mais sérieux là, c'est pas drôle. Pourquoi à chaque fois quand ils font des gros monstres, faut que ça soit des araignées? Dégueulasse. Puis il y avait une butée cette salope là. Et regardez, elle me pointe. Du coup, faudrait que je foute le piège à ours dans la patte. Comment je fais pour le faire descendre? J'ai rien là. Il n'y a aucune indication en plus. Non, je reviens ici donc. Est-ce que je peux essayer de passer rapidement sous l'araignée? Je suis sûr qu'on va faire quelque chose avec ce piège à ours là. Mais oui. Rien, tu le regardes. Bon. Essayons de recourir. Oh! Aïe. Non, non, non. Oh! Ah, donc ça c'est juste tuer pour tuer. D'accord, merci l'araignée. Eh, tu m'auras pas. Bon, je fais comment maintenant pour atteindre ça, moi? Caché là, non? J'ai rien là. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça tombe là-haut? Suis l'araignée. MDR. Oh! Ça l'a fait tomber? Ah d'accord, faut que je la fasse taper plusieurs fois au sol. MDR. Hop. C'est bon, il est là. Attention maintenant, faut pas que je me le prenne. Voilà. Tout. Allez, je viens prendre ça à l'araignée. Tiens. Ah ah. Je vais te défoncer toutes tes pattes, moi.
Tiens. Ah! Putain, j'ai encore eu peur. Oh, ce jeu me fait flipper, putain. Cette ambiance là, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle aille plus loin, cette pute. Bon, tu vas te faire avoir de la même façon que tout à l'heure. Tiens dans la gueule. Voilà, hé, MDR. Tiens, prends ça. Contre l'autre là. Voilà. Alors on est nul. D'accord, je l'ai loupé. Là. Et dégage maintenant. Oh, elle est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, qu'avons-nous ici? Youhou! D'accord. Douty. Oui. Ouais, les toiles d'araignée et tout. Oh, c'est dégueulasse. Oh non. On me dit pas que tu vas rester bloqué. Non, il y a l'araignée qui arrive. Oh non. Bouge de là, gros con. Ah, elle est dégueulasse. Putain. Non. Tue-moi une bonne fois pour toutes pour que je respawn. Oh non. C'est peut-être voulu. Oui. Vas-y. Vas-y. Libère-toi de ton cauchemar, petit limbo. Excellent. Youhou. Je vais me faire attaquer par les mouches, truc de ouf. Là, ta ta tam. Bon, je pense que c'est pas bien de tomber là. Je dis que c'est pas bien de tomber et je tombe. Putain, mais t'es con, Limbo. Je sais pas si Limbo c'est le personnage ou pas, mais. Je pense que je l'appelais Limbo le personnage. Tiens. Putain, c'était. C'est pas évident. Youhou! Oui, enfin, faut se dire faut sauter ou quand j'appuie sur A, tu vois. Allez, Limbo. Tu peux le faire. Wouhou! Tiens la boule. Tiens, tiens, tiens. Ah! Ah! Putain. Putain. Ah, je l'avais vu venir, ça. Yep. Tiens la boule, tiens, tiens. C'est bon, allez, recule maintenant les mots. Voilà. Tout, ti, tout, ti. Oh. Qu'est-ce que je suis nul. Tac, tac. Allez. Vas-y, fais tourner la boule. Oh, putain, il y a l'araignée qui se ramène. Non, et puis il tombe sans douille. Putain. Allez. Dépêche-toi maintenant. Mais non, mais glisse pas! Mais qu'il est con!
Oui, j'ai compris, je suis mort, allez. Passe à autre chose. Hop. On va être plus prudent maintenant. L'araignée qui se ramène derrière là, putain. Dépêche-toi. Plus vite la boule. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Go! Tu m'auras pas! Ah, c'est bon. Bon, du coup. On est plus dans ce ton lit, dans la bobine de fil. Je pense qu'on va s'arrêter là. 15 minutes pour un épisode de Limbo, je pense que c'est bien. Après, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Ouais, on va faire un épisode de 15 minutes. 15 minutes, je pense. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de Limbo. Allez, bye bye tout le monde.